Et salut, c'est Abaïs, et aujourd'hui on se retrouve sur Animal Crossing New Horizons. Et New Horizons, j'ai dit, c'est nul. Aujourd'hui, on est en train d'essayer de pêcher l'omble, c'est pas une omble, ni une truite dorée. C'est à la taille moyenne, et je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer, parce que voilà, ça dépendra du montage, etc. Bref, on est à la recherche de ces poissons. Ça va être galère, parce que ça fait des jours que je galère. C'est pas grave, on va tenter. Il me reste vraiment que ces deux poissons-là à voir, je vais vous montrer ma bébétopédie. Regardez. J'ai tout ça. Tout ça. Il manque juste les deux là. Donc je galère. Ça fait deux... Je sais pas combien de jours que je galère sur ça. Et ça va être long, je le sens. Bon, tu vas le lancer ta ligne là. Ah voilà. De toute façon, c'est pas un... Quand je recherche, c'est pas grave. Pire, je le revends et tout, ça me fait de l'argent quoi. J'ai changé la résolution de mon téléphone. On va voir ce que ça donne. C'est en 60 fps. C'est clairement pas du tout nombre ça. Ni une truite dorée. Vu la taille, c'est trop grand, je pense. On va quand même la pêcher dans le doute. Puis ça me permettra de pas voir. Je me fais des appâts pour rien quoi. Bah, c'est un bar. Qui s'y attendait? Ah, là c'est probable. Mais il y a peu de chance. Hein. C'est quand même des poissons rares. Pas les plus rares, mais des poissons rares. Enfin, du moins l'omble n'est pas si rare. Je sais pas pourquoi je galère autant à la trouver du coup. Ah, ça c'est un saumon, on s'en fout. Je vous jure, j'en ai trop marre de pêcher des saumons et des barres là. Enfin, des saumons mazou, parce que c'est les pas chers forcément. Et les vendoises, qu'est-ce que j'en ai marre des vendoises. C'est pratique les appâts, pour le coup, c'est une très bonne invention. Parce que bon, imaginez que ça ferait comme sur les autres opus où tu galères à les trouver et tout. Où tu trouves tous les stratagèmes possibles et inimaginables pour juste pour les faire apparaître et tout, la galère. Ça pour le coup, ça aide vraiment pour la pêche. Alors que pour les insectes, c'est déjà plus chaud je trouve. C'est bête qu'ils aient pas fait d'appâts pour insectes. Genre, je sais pas, comme sur Pocket Camp, tu peux faire tu peux mettre du miel dans un tronc d'arbre, ça en fait apparaître plein dans ton inventaire après. Je pense qu'ils auraient dû mettre un petit truc pour appâter les insectes. Ça aurait pu être sympa, mais bon. D'ailleurs, niveau insectes, il m'en manque pas mal parce que je me suis vraiment concentré sur la pêche. Attention. Oh, une truite dorée! J'ai eu la truite dorée! Oh, j'ai eu la truite dorée! J'ai eu. Ah, il me reste plus qu'un poisson à trouver. J'ai eu la truite dorée, c'est génial! Oh mon dieu! Il me reste plus que l'omble! Oh mon dieu, les gens! Oh les gens, je suis refait là! Je suis vraiment refait là pour le coup! Oh, je m'y attendais tellement pas! Bon, ça va pas être une omble vu la taille. Enfin, quoique, une omble ça peut être grand. Bon, c'était un bar, ça c'était assez évident. Oh, mais attendez, la truite dorée quoi! J'ai eu la truite dorée! La truite dorée, je sais pas si vous vous rendez compte. Bon, j'allais donner au musée et sauvegarder parce que j'ai pas envie de perdre tout ça, ce serait trop bête. Oh les gens, je suis tellement heureux là d'un coup! Je me disais que j'allais jamais réussir à en avoir une de truite dorée et j'ai réussi à en avoir une. C'est trop bien, je suis trop content. Il manque juste l'omble et ensuite j'ai fini ma collection de poissons. Vous vous rendez compte, c'est la première fois dans la jeu Animal Crossing que je me concentre autant sur les bestioles à attraper et tout. Et là je vais enfin avoir de manière décente et logique la canne à pêche en or. Et genre, oh mon dieu, je suis trop refait. Thibou, j'ai un cadeau pour toi. J'ai un truc rare. Faire une donation. Regarde, j'ai une truite dorée pour toi. Oh, les gens. Oh, mon dieu. Oh, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Je m'attendais à avoir une vendoise. Et là, je vois une truite dorée. Je sauvegarde. Hein, parce que j'ai pas envie de perdre tout ça. Ce serait trop bête. Ok, c'est reparti. Vous savez que la truite dorée, c'est genre 15 000 clochettes, le truc. Bon, c'est une vendoise. Ça, j'en veux pas. Ça sera... Il y a une chance sur 40 000 que ce soit... l'omble, parce que l'omble peut être grand. Mais en même temps, je pense qu'on trouve plus facilement de taille moyenne. Bah, c'était évident. Mais je veux pas de petit, je veux un moyen. Je veux l'omble. Je veux finir ma collection d'insectes. C'était pas des insectes, c'est des poissons, ça, Ivan. Je veux finir ma collection de poissons. Alors arrêtez de me mettre des loges d'étang, s'il vous plaît. Bah, ça, c'est un bar. Je vais dire que c'est un bar, comme ça va être une omble. Oh, c'est un bar, ça, c'est sûr. Bah oui. Je l'avais prédit. Sur le site que je regarde, ils disent moyenne grande, alors. Oh purée, mais ça c'est un petit. Si seulement il faut arrêter avec les loges d'étang. Ça va encore être une loge d'étang, ça. Hein. Mais j'en ai rien à faire de la loge d'étang. D'accord, ça j'aime bien. Ah, ça peut-être. Mais non, je vais pas secouer l'arbre. J'ai eu l'espoir, mais lol, c'est pas ça, Ivan. Rien à voir. Je suis dans la bonne période vu que j'ai eu la truite dorée. C'est la même période pour l'ongle. Donc bon. Sauf que si on met que des loges d'étang, je vais pas y arriver. Ça va être un bar. Ça va être un bar. Oui, un bar. Pas un bar commun, mais le bar me saoule autant que le bar commun. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me saoule de ouf. Ah, bah non, c'est pas un bar, c'est une tortue serpentine. Ça, c'est une vendeuse. Ça va être une vendeuse. Ah bah non, c'est un saumon massou. C'est un petit, ça va pas m'avancer loin. À part en thune, évidemment. C'est un carassin. Qu'est-ce que je gagne de l'argent avec un carassin, toi? Ça va encore être un carassin.
Eh, je l'avais prédit, hein, que ça allait être un carassin. Oh purée, encore un carassin, une loge des temps et tout. Tu sais quoi, je vais même pas m'embêter vu que j'ai plus de place quasiment. C'est bon, hein. Je vais courir dès que c'est une petite parce que j'ai un peu trop la flemme là. D'accord, très bien. Ah, moyen. Omble, s'il te plaît, apparaît. Non, ça c'est une vandoise le jeu. J'ai demandé une omble. Encore une truite dorée? Mais je voulais une omble! Moi, je voulais une omble. Ah, par contre, ça me fait de la thune, ça, c'est bien. Mais j'ai encore une truite dorée, mais hey, j'arrive à attraper le truc le plus rare, littéralement, quasiment. Par contre, le truc moins rare, j'arrive pas à l'attraper. C'est quoi cette blague, quoi? Bon, remarque, j'ai gagné 15 000 clochettes, ça, c'est bien. J'ai eu de l'espoir que ce soit l'omble, mais... Et hier, une partie pour une vandoise. On va relâcher... Oh non, ma canne à pêche! Faut que j'en refabrique une. Bah, je vais faire une petite ellipse. Ok, c'est reparti, mais j'ai plus beaucoup d'appât, donc je vais devoir faire une ellipse pour en avoir. Si j'attrape pas l'omble. Allez, on n'y croit pas comme ça, au moins, toujours un faux espoir à chaque fois. Quel gâchis pour ce dernier appât. Un petit poisson. La flemme, non? Une loge des temps. Bon, on va refaire une ellipse, hein. J'ai fait quelques appâts, pas beaucoup. On va tester un peu avec ça. Et si besoin, je referai une ellipse et je referai des appâts. Je vous dis, j'en ai pas beaucoup, hein, mais bon, on sait jamais. Autant tenter quand même avec ce que j'ai. Je vous jure, je déteste la musique de 3 heures, mais je suis obligé de jouer de la nuit. J'aurais pu mettre une autre heure, mais bon, flemme, quoi. C'est l'heure qu'il y avait sur la console. Bon, ok, ça sert à rien, c'est un petit, mais bon. J'ai besoin d'argent. Voyez-vous, il me manque encore 1 million de dollars. Enfin, de clochettes, pardon. 1 million de dollars. 1 million de clochettes pour finir de rembourser ma baraque. Donc, tout argent est bon à prendre. Encore un petit, mais c'est pas ce que je recherche. Animal Crossing, youhou, écoutez-moi. Je sais qu'il n'y a pas de micro sur Switch, mais quand même. Il me faut un moyen. Une omble, s'il vous plaît, le jeu. Pas des loches des temps, là. Jure, je vais les manger, les loches. Bon, là, c'est pas une... Ça va pas être une omble, hein. Ça peut être grand, mais je pense pas que ce soit courant. 2000 years later. C'est bien, là, c'est des moyens, mais il faudrait que ce soit une vandoise. Pas une vandoise, il faudrait que ce soit une omble. Quoi que si j'ai une vandoise, peut-être que ça va faire apparaître une omble. Oh, j'espère que c'est une vandoise, hein. On va voir si ça a marché ou pas. Non, ça a pas marché, c'est vraiment une vandoise. La déception. Je suis déçu. Bon, c'est pas grave, on va pas se laisser abattre. 6 and a half hours later. Mais je vous jure, j'en peux plus. J'ai fait 3 lives. J'ai fait une vidéo avec Arzos où je pêche et je vous jure, il y a même en dehors de ça, je pêche seul et j'en peux plus quoi, genre ça me rend... Oh, ça m'énerve, mais je dois absolument finir la collection de poissons quoi, il m'en reste un à trouver, enfin c'est bon là, stop au bout d'un moment. Viens le poisson, viens omble. Attention, j'ai eu encore un faux espoir parce que c'est des pieux, une vandoise, donc je me suis dit ouais ça y est, mais non c'est pas mieux, c'est un saumon vase. Oh bah ça on s'en fout, hein. Dégage. Omble. S'il te plaît, omble, viens à moi, omble, s'il te plaît. Ça, ça va être un autre chose. Bah oui, c'est un bar. Sinon, c'est pas drôle. Et je vous jure, c'est pas le poisson le plus rare, mais c'est celui que je galère le plus à trouver. Même le coryphène, ça a été moins long à trouver. Pour vous dire, le coryphène, hein. Mais j'en ai marre des saumons mazou. Par contre, le ciel, il est beau derrière. Il est 4 heures et tout, donc là. A few moments later. Ça prend tellement de temps à faire des appâts, tout ça pour les gaspiller, enfin pour les perdre aussi vite. Je vous jure, ça me saoule. J'en peux plus faire des appâts tout le temps. Ça fait des jours que je fais des appâts. Moi, ça m'a débloqué des Mind Snook, mais quand même. Je vous jure, j'en peux plus. Bah oui, une vandoise. C'est pas censé être si rare que ça. Je crois que j'en ai déjà attrapé sur une autre ville des ombres. Alors stop au bout d'un moment. Merci, hein, le jeu. Ça va encore être un bar. J'en ai marre. Je déteste avoir raison avec ce jeu. Mais ça va encore être un bar. Ça, c'est un bar, encore une fois. Bah oui. A few inches later. J'ai pas fait beaucoup d'appâts, mais c'est pas grave. On va retenter encore et encore de toute façon. J'ai pas envie d'arrêter la vidéo tant que je n'ai pas eu l'omble. Donc, route, hein. J'ai 8 appâts. On va bien voir avec les 8. Ça, c'est un bar. Déjà, c'est clair et net, c'est un bar où j'ai failli faire fuir. Donc, je disais, c'est un bar, vous allez voir, ça va être un bar. Attention, préparation, boire. Oui, on est content, c'est totalement faux, on n'est pas content du tout. Pardon, je m'énerve, mais ça m'énerve. Mais j'ai de quoi être énervé, j'en ai marre d'avoir des bars et des vandoises, moi je veux l'omble. Ça va être une vandoise, ou un saumon massou, au choix. Attention, vandoise. J'ai l'omble. Ah, j'ai fini. Ah, les gens. Oh mon dieu, j'ai envie de pleurer. J'suis trop content. Oh non, je reviens pas. Ça s'est fait si vite, les gens. J'ai fini ma bébé topédie des poissons. Regardez comme c'est beau. Oh mon dieu. Je vais sauvegarder, mais j'ai pas envie de perdre tout ça. Oh, ça y est, j'ai fini la bébé topédie des poissons. Vous vous rendez compte? J'ai fini la bébé topédie des poissons.
Oh mon dieu. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. J'ai fini la bébé topédie des poissons. C'est la première fois de ma vie que je le fais et je suis trop fier de moi. Parce que j'ai jamais réussi à finir une seule bébé topédie et là c'est la première fois. Et le musée il va être blindé de poissons et blindé en fossiles parce que j'ai déjà tous les fossiles. Là je vais avoir tous les poissons. Prochaine étape, je ferai les insectes mais dans une autre vidéo. Parce que c'est bon. La vidéo là elle va être suffisamment longue à monter. Voilà. Oh, mais j'en reviens pas. Ah, ça s'est fait tellement bien d'un coup. Je me suis dit, bof, ça va être une rue encore. Une vandoise. Et là, je vois, c'est un omble. Oui, c'est pas une, c'est un omble. Bravo, Evan. Je suis trop content. Qui bouge, t'apporte le dernier poisson qui manque à ta collection. Oh, je suis trop content. Je suis refait, c'est ouf. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. C'est un omble. Voilà. Allez, est-ce qu'il va avoir une réaction sur ça? Ouh! Et voilà, c'est tout ce qu'il nous fallait pour compléter notre aquarium. C'est fantastique, je suis si excitée quand une collection est complète que c'en est insoutenable. Merci du fond du cœur. Si notre musée est si bien fourni, c'est grâce à ta dextérité, ta générosité. C'est tout ce que tu me dis? Tu devrais me donner 10 millions de clochettes pour ça. Oh, je suis trop content, les gars. C'est si beau de voir ça. Les insectes, c'est pas encore ça, mais c'est si beau de voir tout rempli. C'est trop beau. Par contre, je sais pas comment on débloque la canne à pêche en or. Mais c'est pas grave. Je vais regarder vite fait. Ok, alors il faut. J'ai time travel au lendemain parce qu'il faut attendre le lendemain pour avoir le plan dans la boîte aux lettres. Donc je vais avancer l'heure de quelques heures, comme ça, ça va changer le jour. Et puis je vais pouvoir récupérer le plan de la canne à pêche en or. On va se mettre à 7h, allez. Non, on va mettre 8h, comme ça le magasin c'est ouvert. Techniquement, ça devrait être bon. Je devrais avoir une lettre, en fait, du musée Pétaouche. Et cette lettre, du coup, bah, elle va me donner le plan de bricolage de la canne à pêche en or. Voilà. Et je vais pouvoir frimer avec une canne à pêche en or que je n'oserais jamais utiliser parce que de toute façon, elle va finir par péter. Et j'ai pas de pépite d'or, j'en ai une. Donc ça va être compliqué. Je suis tellement content d'avoir fini la bébétopédie des poissons. Je suis trop content. C'est trop bien. Merci d'utiliser la bébétopédie et félicitations. Tu as répertorié tous les poissons de l'encyclopédie. En récompense, nous avons le plaisir de t'offrir le temps de le plan pardon de fabrication d'une canne à pêche dorée. Oui. Et bon là, on s'en fout parce que j'ai encore des cafards chez moi. Mais du coup, yes. Et du coup, ça donne quoi la canne à pêche dorée? Il faut une pépite d'or et une canne à pêche. Bah, je vais la fabriquer. Et ensuite, j'arrête la vidéo parce que ça s'éternise. Je suis trop content. Je suis trop, trop, trop content. Vraiment. J'ai une pépite d'or à la maison, donc ça tombe bien. Oui, bon, ça va, je sais qu'il y a un cafard. La petite pépite d'or, elle est ici. Hop. Allez, c'est parti. Bah, elle va être plus solide, je me doute, du coup. Mais il faut avoir tout le temps une pépite d'or, quoi. J'ai ma première canne à pêche dorée. Yeah. C'est trop bien. Admirez-moi cette beauté. Je la montre sous tous ses angles. C'est donc la fin de cette vidéo, les gens. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, c'est le plus important. Et je vous dis, ciao, ciao.